On dit que TF1 vous aurait déjà contacté pour participer au jeu dont ils ont annoncé le retour cette semaine. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Ça va lui plaire, ça. Mais non, c'est une rumeur, mais je suis à l'écoute. Allô, TF1, je suis à l'écoute. Ça pourrait vous amuser de partir dans la jungle avec d'autres célébrités? Ah, ça serait chouette, ça. Ah oui, chouette, hein. Moi, j'ai regardé beaucoup La Ferme des Célébrités, moi. Ah. J'ai regardé beaucoup, bien fait rire. Oui. Donc là, vous imaginez donc avec des célébrités de tout genre, puisque sur la première saison, il y avait notamment Loana, Richard Virenque, vivre avec eux en autarcie, dans la jungle. Ça pourrait vous plaire ? Oui, ça peut le faire. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de riz, rien. Il n'y a rien. S'il n'y a pas de moustiques, alors dans la jungle, on ne peut pas vous le garantir. Je suis allé à Madagascar, j'avais dit à Frédéric Lopez, n'importe où dans le monde, honnêtement, mais pas les moustiques. Mais alors vous imaginez la portée de ce que vous dites là, parce que si TF1 ne l'avait pas encore fait, vous contacter, ils vont forcément avoir envie, ils vont se dire mais Thierry Lhermitte, mais quelle bonne idée, mais quel casting incroyable. Vous ne seriez pas fermé, contrairement à d'autres qui disent moi la télé-réalité je me pince le nez, je n'irai pas. Ça pourrait vous amuser. Ça dépend, moi j'aime l'aventure. J'aime rencontrer des gens différents. Donc voilà, je crois que l'appel est lancé. Les gens que vous avez cités tout à l'heure dans Les Anges de la télé-réalité, je serais curieux de les côtoyer. De les côtoyer de plus près. Ouais. De l'éthologie. Surtout, puis même dans une situation où on a besoin d'entraide, de réflexion commune, tout, je serais intéressé. Oui. Donc alors TF1, expérience humaine. Ce qui va se passer, c'est qu'il va se retrouver dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là, à cause de nous, Jade. Il ne faudra pas venir se plaindre derrière, parce que vous allez lancer la paix. Donc ça peut se faire, sachez-le. Quelques exigences, pas de moustiques. Pas de moustiques, c'est tout. Non, c'est le seul truc. Pas de toile de tente, pas de matelas, rien. Si, tout ça, ça m'est égal. Non, mais je veux dire, pas de matelas, non, tout me va, sauf le moustique. Voilà. Vous êtes un aventurier. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous venez de faire. Vous venez de mettre le doigt dans un engrenage terrible. C'est possible. Ils vont être follement excités. Et nous aussi.